À quelques jours du départ de Paris-Roubaix, Trois-Ville, une petite commune rurale du département du Nord, est traditionnellement le point de convergence de la presse internationale qui vient découvrir le parcours de l'édition 2021. Après un déjeuner dans le café du village chez Françoise et son omelette réputée, le convoi s'est mis en route pour examiner les 30 secteurs pavés qui seront proposés aux coureurs. En cours de route, arrêt et interview d'usage pour découvrir le travail du lycée horticole de Rheims qui œuvre dans l'ombre afin que tout soit fin prêt pour le jour J. Après une halte à la mairie de Denain, c'est à la tranchée de Wallers-Arambert que Thierry Gouvenou, directeur technique des épreuves pour ASO, a répondu à toutes les questions posées par la presse. Ensuite, l'inspection technique et les journalistes ont poursuivi leur route à travers la campagne du Nord en attendant impatiemment le nom du vainqueur qui sera couronné le 3 octobre prochain.